Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Il est 21h31. Nous sommes le 23 décembre 2021. Bientôt Noël, n'est-ce pas mon cher Léo euh... Oui, j'ai du coup comme tu répondais pas tout de suite, j'étais en train d'essayer de, de chercher une astuce sur Noël Léo, mais, mais je ne sais pas trop. Je disais bientôt Noël Léo. <laughs> en fait j'étais en train de regarder si ça passait bien en direct. C'est pour ça. Euh, bientôt Noël Léo. Eh bien oui, euh, bientôt Noël et on va pouvoir parler de boules. Oh, J'aurais pas dû. Allez bonne Donc, soirée. <laughs> Donc ce soir, ce soir, on va essayer de parler un petit peu. Euh, comme d'habitude, une thématique, et ensuite on embarrera en sur les questions qui peuvent se rapporter à la thématique ou tout à fait autre chose. Vous pouvez parler d'absolument ce que vous voulez dans cette émission. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout, mais ça peut, ça peut tomber sur des choses qui m'intéressent éventuellement. On va parler donc à ce titre, la France d'après. En fait, l'idée, c'est que comme on m'a posé plusieurs fois la question, euh, euh, quand j'ai parlé de la, la, la prochaine guerre euh, qui va intervenir, quand j'ai parlé de l'évolution économique, etc., c'est vrai qu'une question revient souvent, c'est en France, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donnera? Donc je voudrais synthétiser avec vous. Alors, je n'ai pas, pas la science infuse là-dessus, j'ai que quelques, quelques petites éléments qui peuvent aider à faire des projections, Et donc je me dit que ça pourrait être intéressant qu'on y réfléchisse qu'on y réfléchisse ensemble ce soir. Euh, alors l'idée de base donc c'est que le, le futur de la France est conditionné par deux, grandes, deux grands événements, deux grands bouleversements. Le premier, c'est celui de la situation euh, stratégique de l'Europe avec euh, cette confrontation qui arrive entre l'OTAN et la Russie et qui arrive, semble-t-il, de plus en plus à grands pas. Hein. Quand on suit, si, vous suivez mon, si vous êtes abonné sur mon Twitter, et je vous encourage à le faire, vous verrez que je relais pas mal de, de, de renseignements de sources ouvertes régulièrement et que souvent avec mon petit commentaire, euh, de la façon dont je rattache ça à mes projections, <laughs> euh, puisque... Euh puisque le, le, le ton continue de, de monter. Et Vladimir Poutine a eu un certain nombre de déclarations euh, sur l'Ukraine en disant, en gros, que, que toute négociation était impossible avec Zelensky, qu'il fallait que Zelensky parte, etc. Donc tout ça, c'est des choses que je, que je relaye euh, au fur et à mesure en les commentant. Et, euh, et je fais la même chose, bien sûr, pour la situation de la France à l'intérieur. Donc deuxième volet de bouleversement, que j'ai déjà évoqué aussi, c'est... Euh, la révolution qui nous attend en France. Je renvoie euh, sur le fond, sur les, le pourquoi il va y avoir une révolution et les schémas aux articles qu'il y a sur mon blog et bien sûr à l'émission que j'avais fait, La chute de la 5e République. J'ai vu dans les commentaires que quelqu'un y a déjà renvoyé. Je, je remercie les, les auditeurs attentifs d'aider les nouveaux venus à, à se repérer dans, dans mon œuvre. Ouais, alors attention, parce que je crois que c'était Pétu la France et euh, à qui il répondait. Et euh, elle n'est pas de nouvelle venue. Non, là, non, non, effectivement, non, effectivement. On en fait, la salue. Là, mais les nouveaux venus verront le message dans le chat. C'est ça mon idée. D'accord. Euh, qui, qui pourront euh, toujours comprendre ça. Et c'est vrai que c'est utile. C'est utile dans les chats qui sont, euh, qui sont rediffusés après, qui sont disponibles en replay. Et c'est utile aussi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à discuter entre vous aussi. C'est sympa, euh, sympa d'avoir toujours une petite euh, communauté qui, 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 a, qui, qui connaît les émissions d'avant, etc. et qui arrive à se repérer euh, parce que ça permet. Permet de nourrir d'autant plus c'est un autre style de questions qui peut sortir des gens qui sont déjà un petit peu au fait de tout ça que des gens qui arrivent et qui euh, et qui, qui découvrent et qui ont des, des questions euh, des questions qui peuvent être un peu plus basiques mais c'est bien qu'il y ait de tous les tous les domaines ça permet de faire vivre de faire vivre ces émissions euh, voilà et donc si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous euh, abonnés, toujours les rappels les rappels habituels et le petit pouce vers le haut, donc je reviens à ce que je disais deuxième chose, la révolution qui viendra en France et effectivement on va voir donc ces deux deux événements extrêmement importants qui vont être en fin de compte pratiquement simultanés puisque dans un cas comme dans l'autre euh, les, les bouleversements deviennent absolument euh, imminents alors, bien sûr, dans la, guerre, la guerre en Europe est ce qui va le plus affecter la France, mais il y a aussi la guerre en Asie, qui aura aussi des effets, je pense, on va en parler, des effets économiques notamment, qui, qui affecteront l'ensemble de l'Occident. Et donc, la question, l'idée de ce sujet aujourd'hui, c'est de voir, euh, effectivement, qu'est-ce qui va sortir de ça. Euh, alors, pas nécessairement au plan événementiel, puisque ça, j'en ai, ai déjà un peu parlé. Encore une fois, je renvoie tant au modèle de révolution euh, qu'au modèle de, de, de la guerre sur laquelle j'ai fait un, un trait de Twitter épinglé qui, qui l'explique bien, mais sur les conséquences, on va dire, de, 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 de moyen-long terme sur l'ordre économique et social interne en France. Euh. Alors, l'idée de base, c'est déjà ça. C'est déjà qu'il va y avoir ces deux événements. La façon dont ils vont s'articuler va être importante. Euh, évidemment, parce que euh, quand vous avez des événements de cette ampleur qui entrent en résonance, la façon dont ils jouent l'un sur l'autre est importante. Comme je l'ai déjà évoqué, si la France sombre euh, dans une espèce de, de révolution qui peut avoir par certains côtés, c'est pas forcément généralisé, mais qui peut avoir des épisodes qui s'approchent de la guerre civile, euh, si ça arrive dans le cadre d'une confrontation globale qui affecte le continent, alors forcément le pays devient euh, le théâtre d'un affrontement indirect de puissance. Cela dit, ça serait également le cas euh, si, euh, si tout ceci arrivait avant qu'il y ait une guerre. Si demain, tout d'un coup, euh, la France s'effondrait, euh, et sombrer dans le chaos, elle deviendrait de facto le, 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 un enjeu d'influence terrible entre ses voisins européens, notamment l'Allemagne, euh, les États-Unis, euh, mais aussi euh, la Russie, qui essaierait de tirer de son épingle du jeu, et probablement la Turquie, qui également, à travers une communauté euh, musulmane qui a laissé d'influencer de plus en plus, il y a une petite partie de Turcs, mais elle essaie également d'influencer euh, la population euh, du Maghreb, euh, ça serait aussitôt, on, on deviendrait, et je pense que c'est ça qui se rapproche le plus de la position de la France euh, aujourd'hui si elle, si, elle, euh, si elle connaît une implosion, euh, on deviendra un petit peu comme l'Espagne dans les années 30, c'est-à-dire véritablement un enjeu prioritaire de combat, euh, de combat stratégique, géostratégique entre un tas de, de grandes puissances. Euh, mais ça a tout de même un effet différent si euh, les choses commencent alors que l'Europe est déjà en guerre, ou si les choses commencent, alors que l'Europe n'est pas encore en guerre, parce que ça a des effets sur le déroulement de la guerre elle-même. Euh, 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 si vous prenez le cas de l'Espagne, le, le, le cas a été réglé avant le début de la, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, ça, ça, ça a permis à Franco, qui tenait solidement l'Espagne, de décider de maintenir une forme de neutralité. Et de se tenir à l'écart du conflit, ce qui a fait qu'en fait, il n'y a plus aucune intervention des autres puissances à l'intérieur de la France. Donc, ça, c'est une première hypothèse qui est possible. C'est-à-dire que si jamais euh, le déclenchement de la guerre à, à l'Est, en, en Ukraine, mais surtout au niveau des Pays-Baltes, parce que. Euh, Tant que la guerre est circonscrite à l'Ukraine et en dehors d'une confrontation directe avec l'OTAN, la France n'a pas de raison d'être directement euh, impliquée. Donc, euh, si, euh, si, le, si la, la, le déclenchement de la guerre les traîne et que, et que la, la, la France connaît une forme d'implosion mais qui est relativement vite réglée euh, avec un retour à l'ordre sous une forme ou une autre, euh, qui pourrait être un régime... Euh, un régime euh, vaguement autoritaire, hein. ça c'est une question que j'aborderai peut-être après. Euh, on pourrait se retrouver dans une pure position de neutralité au cours du, de la guerre qui vient en revanche si l'implosion intervient alors que la guerre en même temps que la guerre ou alors que la guerre a déjà bien enclenché euh, là on peut effectivement devenir le, le théâtre de, de combats assez, euh, assez violents entre des puissances belligérantes je l'ai déjà dit hein, la russie la turquie etc j'en avais fait euh, avais un petit peu parlé dans une, dans une émission euh, précédente donc, euh... mais ça, ça ne durera, durera pas éternellement ça durera pas éternellement et de toute façon le schéma des révolutions nationales qu'il y ait une intervention extérieure ou pas peu ou prou, c'est toujours le même et l'issue est la même et donc je renvoie pour le détail à l'émission que j'avais faite sur la chute de la 5 république l'idée c'est que euh... alors je vais reprendre quand même du début pour, pour que ce soit clair pour tout le monde euh, le, ce qui est le, le schéma vraisemblable d'une révolution nationale euh, ça commence quand il faut euh, il faut qu'il ait, qu ait généralement deux conditions cumulées qui, 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 qui décident en fait le début de, de, de la de la révolution euh, en tout cas qui, 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 qui déclenche la série d'événements c'est que à la fois on est la réunion d'un pouvoir à capacité constitutionnelle, et une agitation populaire. Euh, et euh, c'est ce comme ça que ça commence à chaque fois. Hein. Vous avez par exemple, le, ou à capacité constitutionnelle ou à capacité qui peut s'arroger la puissance constitutionnelle. Par exemple, ben c'était le, les États généraux qui décident de se, de se dresser en assemblée constituante. Euh, C'est euh, l'Assemblée nationale de, de Versailles, euh, au moment de la Commune, qui décide euh, de, 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 de donner une nouvelle constitution après l'abdication de Napoléon III. Euh, C'est euh, l'Assemblée la, nationale élue après, euh, après la, 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 la chute du, du, régime, euh, du régime de Vichy, mais déjà le régime de Vichy lui-même, puisque le Pétain était censé avoir les pleins pouvoirs constituants. Donc, à chaque fois, on a la, la, la simultanéité des deux des deux éléments qui conditionnent en fait le changement de régime tout simplement pourquoi parce que vous avez un pouvoir à capacité éventuellement constituante euh, qui est décidé à s'emparer de sa capacité constituante et de se dire qu'il faut faire quelque chose qu'il faut changer les institutions précisément parce qu'on euh, est dans un moment de crise politique c'est à chaque fois les deux qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont liés donc si on une révolution nationale devrait débuter par un truc comme ça donc j'ai déjà évoqué le fait que ça pouvait tout simplement commencer, mais c'était l'hypothèse que je trouvais la plus, la plus conforme à ce qu'on observait ces derniers temps. Euh, vous pouvez avoir euh, une, d'une part, euh, pour une raison ou pour une autre, une réunion du Congrès euh, à Versailles pour faire une modification constitutionnelle quelconque, et en même temps, un épisode insurrectionnel ou quasi-insurrectionnel type Gilet jaune, ça, ça pourrait suffire à être le début d'une crise qui déclencherait la chute de la Ve République. Donc, c'est des éléments intéressants parce qu'ils sont assez facilement visibles, observables, et on peut les attendre ou pas. Il euh, y a une chose qui est intéressante, alors on verra ce que ça peut être, hein. ça pourrait être, mettons si Emmanuel Macron est réélu et qu'il décide de, de recommencer. Euh, qui, qui essaye de réessayer de faire la, la, la réforme du Sénat qu'il avait essayé de faire en 2018 avant d'être interrompu par l'affaire Benalla qu'il avait conduit à laisser tomber, euh, et qu'au même moment, où vous avez un, un trouble gilet jaune, ça, ça peut déboucher sur ça. Ça peut être aussi sur un autre mode, ça peut être pour des raisons autour du, de, de la crise sanitaire qui, qui agite euh, et qui, beaucoup et qui échauffe les esprits. Euh, ça peut être aussi l'hypothèse qui n'est pas totalement exclure, hein, je ne la privilégiais pas à ce stade-là, mais vous avez peut-être entendu... Euh, le gouvernement, depuis plusieurs jours, dire qu'il est hors de question de reporter euh, l'élection présidentielle. Alors, moi, me semble-t-il qu'ils répondent à une question que personne n'avait posée, mais euh, rétrospectivement, ils ont l'air de dire que depuis quelques jours, une rumeur montait. Bon, moi, je ne sais pas vous, moi, la rumeur, je ne l'avais pas vue monter. Euh, J'ai eu l'impression que c'était Motu pour prio qui venait à dire ça. Euh, non, non, il euh, n'y aura pas de. Bon, très bien. Euh, en tout cas, en tout cas, euh, ce, disons qu'on commence à être habitué à avoir un gouvernement qui dit qu'il ne fera absolument pas des choses et qui finalement les fait pour une raison ou pour une autre. En général, cette raison est sanitaire. Euh, or, euh, il faut savoir que la, la, euh, le, le report... De l'élection présidentielle euh, n'est pas prévu dans la dans la constitution où il y a un flou en tout cas euh, ça serait vraisemblablement pas aussi facile à faire que pour les élections municipales que ça avait été fait en, en 2020 et donc euh, vraisemblablement ça en soi ça nécessiterait une euh, une, euh, une réforme constitutionnelle. Et peut-être pour rajouter une ligne en disant en cas de crise, machin, bon. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai lu un, un article tout à l'heure qui, tout en disant que c'était tout à fait exclu, mentionnait une durée possible d'un an, un report d'un an. Pourquoi un an, pourquoi pas six mois, je ne sais pas. En tout cas, déjà, il y avait cette durée qui, qui courait. Alors, je ne dis pas que c'est dans les tuyaux, etc. Bon, même si on sait que des fois, ils aiment bien balancer des ballons d'essai avant dans la presse pour, pour voir quelle est la réaction de la population. Mais en tout cas... Voilà, Peut-être que c'est parce qu'ils estiment que c'est une échelle de temps possible. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, parce que pour le coup, au poussé d'un an, ça, ça, ça rend euh, la, la possibilité de, de la réforme constitutionnelle euh, imaginable. Euh, mais pour le coup, ça voudrait dire que pour faire cette réforme constitutionnelle, il faudrait euh, réunir le Congrès, euh, et cela dans une période vraisemblablement de tension, puisque… Euh, il risque ce, cela risque de, de, déjà de pas faire plaisir à beaucoup de monde euh, l'idée qu'emmanuel que, qu macron au motif d'une crise sanitaire se maintienne éventuellement au pouvoir pour un an et en plus Vraisemblablement qu'avec les nouvelles difficultés autour du pass vaccinal, etc., euh, et de toute façon c'est le cas depuis un an, on a régulièrement des épisodes de manifestations, etc. Donc si vous aussi ça dérape un peu un épisode de façon gilet jaune, encore une fois, dans le cadre d'une demande, et ça serait assez logique, un truc comme ça, parce que comme je l'ai dit depuis longtemps, le régime ne cessera d'aller vers l'autoritarisme le, le, euh, et, euh, et l'aspect dictatorial euh, jusqu'à cette implosion. Euh, donc ça serait assez dans l'esprit. Après, on verra si c'est comme ça que ça se fait par ce canal-là ou pas. Mais c'est une hypothèse qui, aujourd'hui, il y a encore une semaine, j'aurais pas pensé. Mais là, le fait d'avoir vu cette pluie d'articles-là depuis trois jours, ça me paraît plus tout à fait exclu. Nous verrons bien. Euh, en tout cas, ça commencerait, euh, ça commencerait comme ça. Euh, la suite du schéma, vous l'avez donc dans cette précédente émission dont je parlais, c'est-à-dire que vous auriez vraisemblablement une montée, une montée euh, des extrêmes, une tentative de prise de pouvoir euh, par les plus, euh, les plus agités, hein, vraisemblablement l'extrême gauche, euh, au cours notamment des meutes à Paris, par exemple, euh, des antifa etc., euh, qui serait vraisemblablement dans un délai qui reste à savoir euh, maté par le pouvoir central, mais qui ne serait plus le pouvoir central d'Emmanuel Macron, puisque vraisemblablement à ce moment-là, il aurait déjà été poussé à partir par la représentation nationale si elle s'était arrogée la, 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 le pouvoir constituant. Euh, et d'ailleurs, le fait que, le fait que, puisque j'avais mentionné à l'époque de mon article et, et, et de l'émission que j'avais faite, cette hypothèse que le Congrès demanderait à, à Emmanuel Macron de partir. Euh, ça serait encore plus vraisemblable dans l'hypothèse où, euh, où, où il aurait été réuni précisément pour lui permettre de rester. Ça serait, ça serait assez, assez logique. Euh, c'est pour ça que c'est vrai que c'est séduisant, mais bon, à ce stade-là, on n'a aucun élément tangible qui permet de dire que c'est un truc comme ça qui va se passer. En tout cas, que c'est ce scénario-là qui va s'imposer. Ce sera effectivement un truc comme ça qui va se passer, mais ce ne sera pas forcément ça qui va se passer. Donc il y aura une montée aux extrêmes, il y aura une... la chose sera réprimée, et vraisemblablement, l'étape suivante normalement, c'est qu'on doit revenir à un ordre euh, relativement calme, ou en tout cas une tentative euh, assez démocratisée. Donc on, serait, on se retrouverait façon euh, façon début de la 4ème République, bon. au même début de la Troisième République, quand ça commence à marcher tranquillement. Et même d'ailleurs des débuts de la, de la monarchie constitutionnelle sous, euh, sous, euh, durant la, la, la Révolution française. Le problème ensuite, ou plutôt début de la Première République, puisque c'était déjà, déjà après, les, 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 après la montée aux extrêmes. Euh, simplement, à, à partir de là, si vous voulez, il euh, y a euh, la suite, euh, et notamment l'émergence d'un impérialiste revanchard, euh, dépend de la situation dans laquelle se trouve le pays. S'il n'y a pas de crise euh, géostratégique, comme, euh, comme la guerre en Algérie, par exemple, pour la Quatrième République, ou s'il n'y a pas de grave crise économique, euh, comme les Assignats, etc., et la guerre aussi, de toute façon, il y, avait, il y avait les deux pendant la Révolution française, à ce moment-là, il est peu vraisemblable qu'un impérialiste revanchard arrive à s'imposer. Et euh, c'est le cas du général Boulanger. Hein, comme il n'y avait pas de crise, il a été porté par un mouvement, mais ça n'a pas suffi à l'amener au pouvoir parce qu'il n'y avait pas de crise à l'occasion de laquelle il aurait pu, euh, il aurait pu euh, prendre effectivement le pouvoir. Hein. Globalement, c'était tranquille. Donc ça n'a pas marché. En revanche, si on est dans une situation de crise, euh, là, ça peut amener effectivement l'arrivée au pouvoir d'une personnalité type impérialiste revanchard. Alors ça prend quelques années, hein, normalement à partir du début de la Révolution, hein, en général, c'est une dizaine d'années. Donc déjà, on serait bien avancé. Donc là aussi, la question de comment ça va se calibrer avec la guerre se pose. Euh, et en soi, le, le, parce que ça peut aussi être accéléré, l'impérialiste Ouvanchard, justement, s'il si y, si y a une crise. Un impérialiste Ouvanchard comme Napoléon, par exemple, est arrivé assez vite. Euh, donc si on se retrouve dans une situation où euh, le, le, la, la guerre est au plus fort, au moment où le régime devrait se restabiliser un peu de manière pacifiée, il n'est pas impossible que cette pacification ne fonctionne pas. Si on a un régime qui est très fortement aidé, par exemple, par exemple, si les antifascistes arrivent au pouvoir, appuyés sur tout, les, sur tout un mouvement indigéniste euh, et islamiste, et qu'on est déjà à ce moment-là dans une confrontation entre Russie et, euh, et Turquie, et que la Turquie est derrière ces antifas, alors pas qu'ils arrivent au pouvoir, mais disons par exemple qu'ils arrivent à, à prendre Paris, comme avaient fait les communards. Bon, euh, le fait d'avoir un soutien extérieur peut euh, renforcer… Euh, Peut renforcer cette prise de pouvoir, la rendre plus efficiente. Inversement, si on est dans une situation déjà à ce moment-là où euh, Poutine a envahi euh, l'Europe de l'Est et a vichisé euh, l'Allemagne, euh, et donc qu'il est euh, virtuellement à, à, la, à, la, à la frontière française, à ce moment-là, c'est lui qui pourrait euh, arriver à avoir une très forte influence euh, sur la France et donc à, euh, à sortir finalement de la France de la neutralité au profit de la Russie. Ce qui, ça, serait une très mauvaise nouvelle pour le pays dans un second temps. Dans les deux cas, ce serait une mauvaise nouvelle en fait, hein, que qu'on soit vraiment pris dans une guerre comme ça, parce que ça veut dire que soit on se retrouverait au sortir de la guerre avec une forte influence euh, turque chez nous, ce qui serait extrêmement mauvais naturellement pour, euh, pour l'avenir du pays, puisque Erdogan continuera à pousser euh, l'agenda euh, islamo-indigéniste euh, chez nous, hein, comme faisaient les communistes euh, avec le de, du RSS avec le parti communiste français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui est un handicap. Euh, ce sera encore plus un handicap qu'à l'époque d'ailleurs. Euh, et en plus, si, si on basculait pendant un moment de la guerre dans une relative sympathie, complaisance avec Vladimir Poutine, les vainqueurs de la guerre sur les États-Unis nous le feraient payer après. Donc on serait dans une sale situation, dans les deux cas, au sortir de cette guerre-là. Donc ça, j'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est possible que ça arrive. Euh, et tout ça dictera en fait la sortie, de, de la euh, le sort de notre pays au sortir de cette crise. Dans un cas, je pense que dans le meilleur des cas, euh, on sortirait des dix années qui viennent un petit peu comme l'Espagne de Franco euh, en 1950, euh, en espérant qu'économiquement on s'en sortirait mieux quand même, parce que bon, le problème de l'Espagne de Franco, c'est que c'est un pays qui ne faisait pas des étincelles euh, au plan économique et de l'innovation depuis, euh, depuis la Renaissance, euh, depuis le XVIIe siècle surtout. Hein. Euh, C'est un pays qui s'est pas mal vidé de ses forces vives, notamment... Euh, à cause de l'émigration qu'il y a, qui a eu euh, en, Amérique, euh, en Amérique latine je suis persuadé, vous savez je suis une incise, mais euh, souvent on se pose la question, bon, pourquoi l'Espagne est devenue une espèce de pays arriéré euh, euh, arriéré au, on, vous savez qu'au 19 e siècle quand, les, quand les, les soldats de Napoléon sont arrivés en Espagne, ils ont trouvé un pays ça, ça ressemblait un peu à l'Iran des mots hein, c'était superstition, des curés partout hein, c'était euh, des, des, des les ossements euh, des, trucs, des corps macromortais dans les églises, en fait, c'était vraiment, traverser les Pyrénées, c'était passer un monde. Il y avait vraiment un fossé culturel qu'on ne retrouvait pas si on passait de, de la France à l'Allemagne à l'époque, par exemple. Et, euh, et donc, on se pose souvent la question, et certains disent que c'est le, le, le syndrome de, de, de l'or des Amériques, hein, qui touche aussi les pays euh, pétroliers, euh, c'est-à-dire le fait d'avoir une économie de rente qui tuerait l'innovation, etc. Je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a un facteur humain important. Je ne crois pas que ça ait été étudié, il faudrait que je vérifie. Euh, je pense que ça vient beaucoup du fait qu'il y a un, eu des mouvements de population importants. Et tôt dans l'histoire de l'Espagne, parce que finalement c'était très tôt, c'était avant, avant qu'elle ait fait sa première révolution nationale, contrairement à ce qui est arrivé en, en Angleterre ou en France, hein, où les phénomènes de colonisation massive ne sont intervenus qu'après la révolution. Euh, en Espagne, ces phénomènes de colonisation massive du, du, de, de l'Amérique, et au Portugal d'ailleurs pareil, c'est fait avant. Or, euh, ça, ça veut dire que euh, les Beaucoup, une grosse partie, en tout cas, de la, de la population qui était la plus dynamique la plus entreprenante la plus anticonformiste euh, de ces pays euh, se sont vidés et sont partis ailleurs euh, et ça ça a un effet de long terme sur une population parce que ça a favorisé ces populations à tomber dans une forme de justement de conformisme superstition de voir la chape de plomb euh, de, de l'église d'espagne et de l'inquisition espagnole surtout euh, à s'imposer, et, en, et je pense que ça, ça a eu un, un C'est ça le vrai effet de long terme. Ce n'est pas la découverte de l'or, c'est le fait qu'une partie de la population, du capital humain, qui aurait fait la révolution plus tôt, euh, soit, soit partie. Euh, je, je, je ferme la parenthèse. Euh, mais euh, donc ça, ça donc, disons, ça explique pourquoi déjà euh, à l'époque de, de Franco, l'Espagne le, le, était encore un pays, un pays, un pays sinistré qui a recommencé à se développer vraiment économiquement que dans les années 50, que dans les années pardon 70. Euh, mais euh, mais euh, mais je pense pas que la France serait accuserait un tel retard euh, économique parce qu'on n'est pas on n'est pas dans la même dans la même dans la même position on ne l'a jamais été. Donc, je pense qu'on serait plutôt dans la situation qui est normalement celle, de toute façon, des pays qui, qui sortent de leur révolution nationale. Euh, C'est que une fois passé l'épisode de l'impériste revanchard, alors qu'il peut durer un petit moment, hein, ça dure généralement, ça s'achève euh, quoi, ça s'achève euh, 25-30 ans après le début de la révolution. Donc, si la révolution se termine maintenant, euh, ça sera le cas en 2050. Mais euh, déjà, un impériste revanchard. Euh, dans l'esprit de, de Gaulle, c'est-à-dire euh, qui, ne, qui ne cherche pas la guerre chez les voisins tout simplement parce que euh, à ce moment-là, le pays n'a plus la masse suffisante pour, euh, pour équivaloir aux grandes puissances de son temps, hein, ce qui était déjà le cas de la France en 1945. Euh, à ce moment-là, on cherche une, un, un rayonnement et une, on va dire, un, un, une revanche sur l'histoire qui est beaucoup plus pacifique et beaucoup plus maîtrisée, et qu'on a qu'on a fait sous de Gaulle. Ça a consisté essentiellement en un développement de la de la de la politique d'influence de la France, le l'acquisition de, des moyens de la souveraineté comme comme l'arme atomique. Euh, et, euh, et ensuite, il y a eu l'héritage nucléaire donc, qui a permis à, à, à ses successeurs d'avoir de, 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 une forme d'indépendance énergétique. Donc, ça, c'est des choses dont on, on peut bénéficier déjà sous l'impérialiste revanchard et ensuite, normalement, euh, l'économie d'école avec le, le, le retour d'une forme de gouvernement dans la tradition démocratique, conforme au standard démocratique, c'est-à-dire un gouvernement parlementaire. Hein, et ça, j'en ai déjà pas mal parlé. Euh, donc voilà au plan purement interne institutionnel ce à quoi on peut s'attendre. Alors il y aurait tout un tas de variations, donc ça m'est difficile si vous voulez de, de, de réfléchir à tout et de, de tout exprimer en même temps, mais disons voilà que vous avez déjà une idée des paramètres qui peuvent jouer et, et c'est en tout cas sur cette base qu'ensemble, qu dans les mois et probablement les années qui viennent, on, on pourra au jour le jour voir comment ça évolue et, et commenter ça. Alors, après, il y a d'autres choses qui, qui entreront en, en ligne de compte. Euh, il y aura des questions économiques, par exemple, parce que euh, le fait qu'il y ait une guerre, euh, une, une guerre, ça va poser des problèmes sur l'approvisionnement en énergie, évidemment en gaz, ça c'est évident. Donc, ça pourrait accélérer et pousser chez nous à développer encore plus vite euh, ces nouveaux réacteurs. Euh, euh, SMR, ces petits réacteurs qui, qui renouvelleraient notre parc euh, nucléaire, ce qui serait bien, ça serait une, une, une sortie par le haut de la crise, puisqu'on en sortirait avec une, une. Si on pouvait en ressortir avec un renouvellement de notre génie nucléaire, qui a été un, un gros atout économique pendant les 50 dernières années, ça serait pas mal. Euh, mais il peut y avoir aussi tout un tas de. Il peut y avoir une forme de de réindustrialisation forcée, euh, non pas tellement par des grands plans, mais par le fait que ben, si vous avez une guerre en Asie, déjà tous les produits chinois, vous ne les verrez plus arriver. Et donc si tout d'un coup, tout ce qui est fabriqué en Chine euh, n'arrive plus, euh, ça va impliquer forcément euh, une, réindustrial une réindustrialisation forcée de l'Europe, euh, et en particulier des pays qui seront, euh, je pense qu'on bon, aura une bonne chance. Si on n'a pas totalement sombré dans le chaos à cause de la révolution en cours, et que ça se fait de manière relativement pacifique, c'est possible d'avoir une, une, une révolution qui se fait, qui n'est pas trop trop catastrophique. Euh, finalement, ce qui s'est passé aux sorties de la, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est passé comme ça. Bon, le problème, c'est qu'on sortait de 70 ans de, de, de démocratie avec la Troisième République, et donc la transition vers la Quatrième s'est fait relativement facilement. Les communistes n'ont pas réussi à imposer leur, leur vision de euh, constitutionnelle. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit plus violent qu'en euh, qu 1945, euh, parce que euh, je, au contraire, ça fait euh, 20-30 ans que la tradition démocratique de la France s'est étiolée beaucoup, et donc il faudra un petit peu la recréer. Donc, à mon avis, ça, ça va être un problème et ça va pousser la transition à être un petit peu plus violente. Euh, Peut-être pas au niveau de la, de la Révolution française la première, mais euh, ça, à mon avis, ça sera situé quelque part entre la, révo, la, première, la Révolution française et euh, la, 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 le 1871, la commune de Paris, la répression des Versailles, etc. À mon avis, ça, ça, ça peut être quelque part par là, si on tient compte en plus des problèmes religieux et ethniques qu'il y a sur, le, euh, sur les ter territoires. Avec, je l'ai déjà dit, je pense, euh, quelques, euh, quelques morceaux de, de, de guerre de religion dedans et la possibilité d'une sorte d'édit de Nantes avec une partition, c'est-à-dire un grand mot du territoire, en tout cas l'équivalent de place de sûreté, euh, c'est-à-dire, je ne sais pas, on peut confier la saint saint denis effectivement à un gouvernement euh, indigéniste local, en particulier si jamais il était appuyé par la Turquie. On retombe sur… Euh... Donc vous voyez, il y a tous ces paramètres qui ne sont pas faciles à gérer, ce n'est pas facile pour moi d'expliquer de, en ayant tout en tête, mais vous gardez-le, si vous repassez la vidéo, vous le verrez, ça fait partie des choses… Qui est des multiples facteurs qui, euh, qui, qui s'entremêleront se, qui et qui, qui, qui dicteront l'avenir du pays et donc au point de vue économique il est vraisemblable donc que, euh, que l'europe euh, et en particulier donc, les pays qui seront relativement à l'écart des, com des combats, donc euh, la France, bon, la France le problème c'est qu'elle risque d'affronter une révolution, je l'ai dit, mais des pays qui n'ont pas ce risque, ne sont pas exposés à ce risque de révolution, euh, je pense notamment à l'Italie et à l'Espagne, qui en plus seraient relativement périphériques euh, dans les combats, et euh, eh bien pourront bénéficier d'importants de, 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 de cette réindustrialisation forcée finalement, et ça peut ramener une, une certaine prospérité. De, de, de... Bon, au début, ça sera c'est difficile. Hein, quand vous devez commencer à payer beaucoup plus cher les produits parce qu'ils sont fabriqués chez vous, c'est compliqué. Mais de toute façon, on sera vraisemblablement déjà dans un monde qui sera redevenu très inflationniste. Donc, euh, ça ne fera que se surajouter à ça. Vraisemblablement, ça ne créera pas cette difficulté-là. Euh, oui. Je m'auto-censure évidemment euh, depuis une demi-heure, hein, euh, oui. mais je suis obligé de te couper pour le message que tu verras probablement sur le chat de, de ta fille. <laughs> euh, donc, papa, je... Quoi Papa, je te dis bonne nuit et je t'envoie un gros cœur. Oh, c'est adorable. Cœur avec les mêmes, ma chérie. Un gros <laughs> Comme ça. Voilà. Euh... Voilà. Donc. Euh... <laughs> à chaque fois euh, donc l'économie récemment pourrait repartir et et pour finir euh, pour le coup ça ça ça, ça pourrait euh, ça pourrait éventuellement coller une réindustrialisation de l'europe euh, du sud euh, sachant que le dépendrait des destructions qui auraient lieu en Allemagne. Si on est sur une vichisation, vraisemblablement les destructions ne seraient pas massives, où on aurait donc on sortirait de la guerre avec une Europe qui se serait pas mal réindustrialisée et ça collerait à la fois avec le scénario euh, malheureux évidemment, mais que j'avais énoncé dans le, mon, ma vidéo la dissolution de l'Union européenne, qui ramènerait une rivalité entre les États-Unis et l'Europe, parce que si l'Europe redevenait une, une puissance industrielle forte, euh, elle aurait aussi vraisemblablement des ambitions, euh, des, des velléités d'indépendance de, 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 accrue. Euh, donc ça pourrait entraîner des frictions stratégiques entre l'Europe et les États-Unis après la guerre. Et euh, mais en plus, à plus long terme, ça pourrait accréditer l'idée, l'idée d'une un, byzantinisation, on va dire, de l'Europe. Euh, et donc, on, on serait plutôt dans cette hypothèse-là, qui confirmerait un, un futur Moyen Âge dont le centre serait effectivement plutôt en Asie, tandis que l'Europe ressemblerait plutôt à, à l'Empire byzantin. Bon, ça, je vois peut-être un petit peu, un petit peu loin. Euh, voilà. Euh, J'aurais probablement dû faire trois heures sur ce seul sujet, mais de toute façon, euh, maintenant c'est comme ça. Vous savez, je suis, des, je suis des exposés un petit peu plus concentrés, je pense c'est plus digeste, et puis je peux toujours l'enrichir avec les questions qui sont posées au long cours. Mais tu as fait trois heures, euh, <laughs> il est minuit et demi. Merci à tous d'avoir suivi. Euh, achetez les livres, bonne soirée, salut. <laughs> Alors, donc là, on passe aux questions, c'est ça Ouais, s'il te plaît. <laughs> ok. Euh... En fait, j'ai <laughs> pu tellement partir loin dans mes trucs comme je me suis, je me, je me suis tue. qu'à un moment j'ai voulu t'interrompre et gueuler. Euh, et c'est le but! Genre comme s'il y avait un match de foot, tu vois. Ouais. Voilà, j'ai été jusque-là et je me suis tue. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont commencé très tôt euh, dans le chat, je veux dire, donc c'est pas facile. Il y a une question très intéressante qui est plutôt d'ordre général, mais je te la pose parce qu'elle est bien. Euh, C'était. J'essaie de te la retrouver. C'était. Euh, si le docteur Fabry avait les clés de la politique étrangère de la France, quelle serait sa stratégie pour les 10 ans à venir Vas-y, je te fous la Marseillaise, au fond. <laughs> <laughs> quelle serait ma stratégie euh... C'est une, une bonne question. En admettant en plus que j'aurais que la politique étrangère et je ne suis pas maître de la politique intérieure. Euh, alors, euh, bah déjà, j'essaierai d'œuvrer de, 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 de mon mieux pour, pour, pour la partie affaires étrangères de la maîtrise de l'immigration. Ça, c'est quand même un sujet, un sujet extrêmement important. Euh, ensuite. Euh, déjà, j'identifierai ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Je pense qu'on ne peut rien faire pour empêcher, euh, euh, empêcher la confrontation avec la Russie. À mon avis, il n'y a rien qui est négociable. Donc, ce qu'il faudrait essayer essentiellement, c'est de préparer euh, la, 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 la la résistance d'un bloc à l'intérieur de l'Europe et de renforcer l'influence propre de la France. Et ça, comme je l'ai déjà dit, je pense que vu les combats tels qu'ils se passeront, on aurait une bonne opportunité en France de, 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 de reprendre la main sur l'Europe occidentale, mais vraiment occidentale, c'est-à-dire euh, le, le Belgique. Euh, et euh, Espagne, euh, Portugal et, euh, et Italie. C'est-à-dire de reprendre, le, le, si vous voulez, la main sur ce qu'était la vieille Union latine euh, autour de, autour de, de l'Empire de, de Napoléon III, ce qui est la zone d'influence traditionnelle euh, de la France. À mon avis, les efforts qui devraient être faits, c'est dans ce sens-là. Bien sûr, tout en menant euh, une, une, une politique de, 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 de proximité toujours avec les États-Unis, Bisous ma chérie. Une politique de proximité avec les États-Unis. Euh... Chose qui a été complètement ratée au moment de Donald Trump. À mon avis, il y avait moyen de faire quelque chose. On pouvait euh, faire une sorte de réformation. Euh... Euh, nationaliste au sens de fondé sur les États-nations hein, de, de l'Europe en s'appuyant sur un partenariat plus solide avec euh, avec Trump lui-même. Euh, je pense que c'est une chose qu'il aurait appréciée euh, parce que euh, en l'état actuel des choses. Euh, le, le partenaire privilégié des États-Unis en, en Europe, c'est l'Allemagne, parce que c'est celle qui, qui, qui fait le, le plus facilement ce qu'on lui dit. Je pense qu'ils vont s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué que ça avec, euh, avec, la, la, avec le, les problèmes avec la Russie, encore que, parce que si on regarde depuis le départ de Merkel, on a vraiment l'impression qu'il y a une reprise en main américaine. Les nouveaux, la nouvelle équipe dirigeante autour de Stolz semble beaucoup plus alignée avec les Américains, que ne l'était qu Merkel, sur la question du, du gaz russe, etc. En gros, les, les Allemands, le nouveau gouvernement a dit à Poutine que le Nord Stream 2, c'était pas gagné, et que s'il y avait un problème en Ukraine, il pouvait toujours l'annuler. Je ne pense pas que Merkel l'aurait fait, très honnêtement. Euh, donc, euh, donc l'idée ce serait de, oui, de, de refaire basculer une sorte de centre de gravité en ayant une zone d'influence propre et, et profiter de, 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 pour, pour préparer l'après, euh, pour être en meilleure position, notamment face à l'Allemagne, en lui disant pas d'être dans une un antagonisme. Euh, un antagonisme stratégique absolu, hein, le partenariat est bon, mais d'arriver à se remettre sur un pied euh, plus solide. Mais bon, le, je veux dire, euh, parler que des affaires étrangères, après sans parler de la politique intérieure de redressement euh, économique, euh, bon, parce que c'est quand même le, le nerf de la guerre. Hein, si, si économiquement vous allez bien, vous êtes plus influent. Euh, donc, euh, donc, ça n'aurait pas, euh, pas grand sens. Mais je pense qu'il y aurait quand même des, 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 des trucs à faire. Et que dans un second temps, bien sûr, s'il y a le redressement économique dont je parle euh, à l'occasion, euh, de, de, qu'on profite d'être relativement à l'écart des principaux combats euh, pendant le, la, la confrontation géostratégique il euh, y, y a moyen de, de faire quelque chose, je pense Il est maintenant 2h du matin, vous êtes toujours à l'écoute de Philippe Fabry <laughs> on continue euh, iruma demande, enfin réagit plutôt, par rapport à quelque chose qui a été dit plus tôt et euh, il ou elle dit euh, les, que les militaires ne seront jamais derrière l'extrême gauche par rapport au, à la révolution. Oui, je suis d'accord, oui, je pense qu'ils ne seront jamais derrière l'extrême gauche, tout à fait. Mais, mais c'est pour ça qu'il y aurait vraisemblablement des épisodes de guerre civile. Encore une fois, les, de toute façon, les militaires n'ont pas été tellement du côté de l'extrême gauche euh, au moment de la Commune de Paris, hein, puisque les Versaillais ont fini par les faire tirer sur les communards et que ça s'est réglé de façon. réglé de façon d'autant plus simple, que les communards, c'était le peuple parisien, euh, les artisans, des commerçants, etc., qui, euh, bah, qui, euh, qui n'étaient pour beaucoup euh, pas mobilisés donc ce pas dans l'armée, alors que l'armée, elle, c'était les paysans euh, français qui sont euh, généralement ceux qui vont se... Enfin, à l'époque hein, où il y avait, la France était essentiellement paysanne, euh, c'était ceux qui, qui combattaient les guerres effectivement au front et qui allaient se faire tuer au front. Donc cette France paysanne qui avait élu l'Assemblée des Versaillais qui en avait marre de la guerre et qui ne voulait pas se faire tuer pour les communards et pour les Parisiens, euh, c'est pratiquement fait un plaisir d'aller euh, les, les, les faire taire. Euh, et donc, il pourrait se passer effectivement une chose comme ça. Je ne dis pas qu'il y aurait un pouvoir euh, antifasciste qui pourrait s'établir sur la France, mais je dis qu'il peut y avoir, comme pour la commune de Paris, euh, une tentative de prise de pouvoir local, avec, si ça s'allie avec des formes de, 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 de mafia de trafic de drogue, hein, et qu'il y a des éléments euh, de, 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 de lutte euh, indigéno-islamiste qui s'ajoutent dedans, euh, ce qui est possible, hein, en particulier s'il y a le soutien de puissances étrangères, euh, ça, ça, euh, ça peut arriver, vous pouvez avoir des portions de territoire, et vous pouvez avoir Paris elle-même, qui tombe euh, pendant un moment, comme ça a été le cas des, de la Commune, euh, entre, les, entre leurs mains, oui. Mais effectivement, non, je ne pense pas que l'armée euh, basculerait de leur côté. Si l'islam meurt dans 50 ans, quel serait le nouveau clivage gauche-droite dans 50 ans Alors, ça, c'est une bien bonne question. Euh... Alors déjà, déjà, la, la, enfin, ça, ça, ça impliquerait de répondre à plein de questions déjà. Parce que euh, la question, c'est déjà, est-ce que le clivage va effectivement rester pendant 50 ans entre euh, en France en tout cas et en Europe, euh, est-ce est que l'islamisme sera vraiment à gauche pour qu'il le soit, pour qu'il soit puissant euh, et Il le sera euh, si euh, les populations euh, immigrées qui sont en France y restent. Donc effectivement, à ce moment-là, le, le, le calcul se fera dans ce sens-là. En revanche... Euh, s'il euh, y a euh, notamment à l'occasion de la révolution euh, des formes d'épuration ethnique euh, qui peuvent être soit euh, des, violences, euh, des violences ethniques effectives, mais qui, euh, à mon avis, le premier critère et la première chose, c'est que vous aurez tout simplement beaucoup de gens qui de même partiraient si le pays sombrait euh, économiquement et, euh, et, et par endroits dans la guerre civile, parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas attaché particulièrement euh, ni sentimentalement euh, vous n'êtes pas attaché sentimentalement par un pays. S'il s'effondre économiquement, ben vous n'y restez pas, vous en partez. Et donc je pense qu'il y aurait beaucoup de retours. Euh, ou en tout cas de fuite ailleurs, hein, ça peut être ailleurs en Angleterre, euh, chez les voisins en Espagne, en Italie, etc. Euh, vous pouvez en avoir beaucoup qui partent euh, pour pour fuir les combats et trouver un, un, un meilleur un meilleur endroit ailleurs. Ça c'est possible. Donc vous pouvez avoir comme ça euh, un million de personnes qui s'en vont euh, euh, ou deux parce que. Euh, trouve que le climat n'est pas agréable et qu'elles ne veulent pas se battre pour le pays. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi avoir une forme d'épuration ethnique avec des gens qui foutent le camp euh, pour des raisons idéologiques. Euh, si on a une reprise en main de la, du pays qui s'apparente à ce qu'a été le, 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 la guerre civile en Espagne, euh, bien à ce moment-là, euh, vous pouvez avoir de la même manière que vous aviez un million de républicains espagnols qui étaient venus dans le sud de la France, mais pareil, vous pouvez avoir un, un ou deux millions de, de personnes. Qui, euh, qui s'en vont, c'est tout à fait possible. Hein. Et c'était le cas aussi euh, bah, avec les protestants au moment des dragonnades, vous avez des, des, des mouvements de population. Et auquel cas, si vous avez ça, bah, vraisemblablement, euh, vous n'avez plus de, 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 de cette population qui est ce que... faudra qu'on fasse une émission sur notre livre, quand même, Léo, un jour. Cette population qu'on qu appelle les classes d'exclus, qui sont le, le cœur euh, sociologique de la gauche, euh, d'une gauche dynamique en tout cas. Et si elle n'y est pas, euh, probablement qu'on se retrouverait avec un gouvernement euh, un petit peu à la, dans la situation du Japon. Euh, ce qui caractérise le Japon, c'est qu'il n'y euh, a pas de gauche. Euh, en tout cas, il n'y a pas de gauche telle qu'on la connaît, nous. Il n'y a pas de vrai clivage. Euh, au Japon, ils sont dirigés par ce qu'on appelle des partis attrape-tout, euh, depuis, euh, depuis euh, des partis du centre droit, depuis, euh, depuis 50 ans. Quoi. Ça ne bouge pas. Euh, donc en revanche si ça persiste et qu'effectivement on a ce clivage euh, de de, de, de euh, avec l'islamisme euh, alors il passera à droite bon, c'est encore toujours important euh, le, le, je pense que le, le, euh, il faut se rendre compte que quand euh, l'idéologie passe à droite, euh, ou qu'elle rentre dans les mœurs, souvent, ce n'est pas exactement sous la forme que l'attendaient les gens. Par exemple, le communisme est devenu un petit peu l'ordre établi en France, euh, mais sans que le, ce qui, est, qui paraissait l'axe fondamental du communisme, c'est-à-dire la collectivisation des moyens de production, se fasse réellement. Elle s'est faite par des moyens détournés, des impôts de la redistribution, etc., mais il n'y a pas eu de saisie. Euh, donc l'islamisation, ça peut se faire aussi. En fait, ce qui, ce qui est important, ce n'est pas qu'il y, y ait une intégration des idées telles qu'elles c'est que le compromis social soit renégocié en intégrant certaines préoccupations des nouveaux arrivants. Et donc la préoccupation des nouveaux arrivants, c'est pour la, la première, c'est des places, des postes de pouvoir et ensuite vous pouvez avoir quelques, quelques évolutions euh, euh, sur la vêture des femmes euh, la vision de, 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 de la famille, ça peut être, ça peut être des, des trucs comme ça qui entrent dans les mœurs mais c'est pas forcément, euh, c'est pas le fait de vous obliger à, à prier Allah quoi c'est pas ça l'idée euh, euh, après quel serait le truc suivant, ben, ça dépendrait en fait, quelle serait la gauche suivante ça dépendrait de quelle serait la nouvelle classe d'exclus qui apparaîtrait euh et là, c'est une très bonne question. Ça peut être une nouvelle population immigrée, mais je ne vois pas trop laquelle. Ça pourrait être qui arriverait ensuite. Euh, ça peut être aussi une nouvelle vision idéologique. Si on est sur un schéma qui est similaire à... Je suis désolé, je fais des réponses super longues, mais c'est une question gratinée. Euh, si, euh... Tu peux y aller de toute façon, si... on n'est plus en live. Hein. J'ai coupé, là, <laughs> ça, fait, ça fait une demi-heure que j'ai coupé, Philippe. Hein. Les gens sont si euh... se coucher là, il faut... faut réaliser un peu. <laughs> ouais. si, on est, euh, si on est sur un schéma proche de ce qu'était euh, l'Antiquité, ça, ça peut donner une réponse assez éclairante. Euh, le, le judaïsme progressait fortement dans l'Empire romain au 1er siècle. Il y avait une communauté importante à, à Rome qui en a été expulsée d'ailleurs par l'Empereur Claude, en 44 je crois. Euh, et... Euh, et euh, et en fait, le, le, le judaïsme n'a jamais réussi à s'imposer, euh, ni dans les mœurs grecques, ni dans les mœurs euh, romaines. Et ce n'est que sous la forme du christianisme qu'une que, que, que qu partie de cette culture-là et de cet orientalisme euh, a réussi à s'imposer dans le monde grec et dans le monde, euh, dans le monde romain sous leur forme finale donc du christianisme euh, romanisé donc il n'est pas impossible aussi que le, euh, justement à cause de, de, de mouvements d'épuration ethnique de départ de ces populations euh, sur un mode violent comme celui qui avait eu dans l'antiquité euh, je renvoie à l'émission que j'avais fait là-dessus hein, sur l'islam et le judaïsme l'année dernière euh, il n'est pas impossible que ce soit sous la nouvelle forme, hein, le, cette espèce de post-islam qui serait à l'islam ce que le christianisme était au judaïsme, euh, que ce soit ça qui devienne la nouvelle gauche, comme le, le christianisme a été, euh, a été la gauche, euh, la gauche dans l'empire romain en fait, euh, à partir du IIIe siècle euh, après Jésus-Christ. Euh, ça peut être euh, voilà, mais, mais la question est, la question est, est complexe. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire déjà Oui, la Grande-Bretagne pourrait-elle avoir un rôle bénéfique pour la France Je ne sais pas. Euh, C'est possible. Bon, je pense que pas forcément, parce que euh, si, euh, si la, la France réussissait... À, à retrouver. Excuse-moi, une... excuse c'était complété par un message un peu plus loin, dans le ah. sens où elle ne voudrait pas voir son voisin quasi-immédiat s'effondrer. Ah, donc dans le cadre de la révolution, oui, dans le cadre de... Je ne je, bah, sais pas, je ne sais pas, je ne pense pas, euh, pas qu'elle voudrait intervenir à ce stade-là. Euh, je pense qu'elle ne serait inquiète. Alors. Euh, elle pourrait intervenir effectivement si on est en pleine guerre que les Russes arrivent jusqu'à en Allemagne et que euh, et que euh, la France euh, est en passe de s'effondrer à ce moment-là je pense que les anglais voudront euh, voudront intervenir ils voudront pas nous laisser tomber euh, comme ils avaient fait en 1940 euh, donc à ce moment-là effectivement il pourrait y avoir un travail fait en revanche en sens inverse si on redevient puissant et qu'on arrive à rétablir une espèce de bloc Autour de la France euh, dont je parlais tout à l'heure, là pour le coup, je pense que les Anglais seraient plutôt contre nous et se battraient contre nous parce qu'ils y refusent. Hein, C'est leur vieille tradition euh, qui est une puissance importante sur le continent. Alors même, éventuellement, ils pourraient cependant encourager ça le temps que euh, de se débarrasser de la puissance russe, mais ensuite ils feraient tout pour le pour le saboter, ce qu'ils ont toujours. Hein, toujours fait. Donc euh, voilà, l'action positive ou négative des Anglais ne dépend que de, de la lecture de leur intérêt euh, sur le moment. Bonsoir, Monsieur Fabry. Vous parlez d'éventuelles places de sûreté pour les islamistes indigénistes. L'islam, sur le long terme, aurait-il le destin du protestantisme au XVIe, e siècle en France eh c'est le modèle que, que je propose de récupérer parce que finalement, c'est les guerres de religion qui sont les plus proches de nous. Que les proportions de population étaient un petit peu les mêmes. Donc, on était sur 10% de la population qui était de la nouvelle religion. Donc, ça, je pense que c'est l'exemple le plus proche qui puisse permettre d'imaginer euh, ce que peut être une partition avec éventuellement une. une, une une, une proportion de d'épuration ethnique parce que si vous regardez le, 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 le en fait alors c'était pas l'épuration ethnique c'était l'épuration religieuse idéologique mais je veux dire le, le mécanisme est le même euh, les dragonnades les dragonnades c'était ça euh, sous, sous, sous Louis XIV euh, donc euh, et donc, je pense que c'est un, un modèle qui est opératoire. Ça peut aider à comprendre effectivement ce qui va se passer parce que les, 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 les mécanismes sont les mêmes. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'était que le protestantisme, et en particulier le protestantisme. Parce qu'en fait, le protestantisme, assez rapidement, ce qu'on explique dans le livre, euh, c'est qu'il était euh, combiné avec la pensée des monarcomaques, euh, qui étaient des, des gens qui pensaient, les monarcomaques, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut tuer les tyrans. Donc c'était des gens qui déjà au XVIe siècle, euh, militaient en fait pour une sorte de régime parlementaire, de monarchie constitutionnelle. Et sauf qu'ils arrivaient à demander ça beaucoup trop tôt dans l'ordre de l'évolution euh, idéologique du pays. Et, euh, et donc ils ont été complètement laminés. Mais finalement, en grande partie, c'est leurs idées qui ont triomphé 200 ans plus tôt à la Révolution. Plus tard, pardon, à la Révolution. Euh, donc euh, c'est donc intéressant parce que vous avez un parallèle aussi avec ça, c'est que l'islam est dans une rupture vraiment très importante avec tout ce qu'a été la République euh, depuis euh, 200 ans. Ce qui n'était pas le cas du communisme. Le communisme, au fond, c'était la volonté encore d'intégrer les ouvriers pleinement à ce modèle républicain. L'islamisme, c'est différent, c'est autre chose. Et c'est dans la dimension d'autre chose qu'était le protestantisme à cette société française du XVIe siècle. Donc je, je pense que le, 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 les tensions que ça impose à la société. Et donc, les remèdes que cette société peut trouver à ces tensions doivent avoir des similarités. Euh, donc, joyeux Noël à tous, puisque l'émission dure maintenant depuis 24 heures. <laughs> euh, ouais, que, je pense que c'était par rapport à à, à, à l'arrivée de la guerre. Quelqu'un demande, mais enfin, l'Union européenne se serait effondrée avant l'arrivée de la guerre. – Non, alors, l'Union, attention, l'effondrement de l'Union européenne, ce n'est pas simplement le fait que l'Union européenne en prenne plein la gueule. S'il y a une guerre contre la Russie, effectivement, l'Union européenne ne sera pas dans un très bon état pendant un moment. Mais euh, l'Union européenne comme entité euh, politique stratégique, même si elle prend un grand coup, le, le, la pensée qu'il y a derrière, les liens qui sont entre les peuples euh, et le, le, la volonté institutionnelle, euh, ne disparaîtra pas forcément. C'est-à-dire que euh, vraisemblablement, elle resterait nominalement euh, active. Euh, que s'il y a une sorte de vichisation en Allemagne, vous pouvez avoir une sorte de gouvernement allemand en exil parallèle euh, conforme à, à l'idéal européen actuel qui, euh, qui, euh, qui, qui persiste et qui, qui reprenne le, le, le pouvoir une fois les, les Russes chassés. C'est tout à fait possible. Euh, donc, la véritable dissolution, de... et puis en plus, elle serait euh, maintenue relativement sous perfusion, dans... l'idéal européen serait maintenu sous perfusion par les États-Unis euh, pour soutenir idéologiquement le combat de, de, de libération de la partie de l'Europe qui serait passée sous domination russe. Euh, donc elle ne tombera pas. L'Union européenne, pour moi, elle sera vraiment dissoute après quand elle sera devenue un problème pour les États-Unis. Et encore une fois, je, je, le parallèle que je fais là, c'est avec la confrontation qu'il y a eu entre Rome et la Macédoine, hein, l'équivalent des États-Unis et de la Russie, euh, au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Euh, et euh, au milieu, vous aviez la Ligue Achaïenne, qui était l'équivalent. J'avais fait l'émission sur la dissolution de l'Union européenne, était tout à fait complète sur le sujet, dont vous pourrez aller voir. Il y a des cartes et tout, vous comprendrez très bien. Euh, mais pour résumer, la Ligue acène, qui était l'équivalent pour les cités grecques de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, euh, a été alliée, elle était la Ligue traditionnelle de Rome. Euh, elle a été son alliée pendant cette guerre-là, mais d'une manière beaucoup plus ambiguë, euh, parce qu'à ce moment-là, elle cherchait déjà à défendre plus son indépendance face à Rome, et donc elle cherchait à jouer un petit peu sur les deux tableaux, parce qu'il y avait une volonté grecque de retrouver une indépendance totale vis-à-vis -vis des Romains, et ce que les Romains ont très mal vécu, et donc une fois qu'ils ont eu battu les... Les Macédoniens, ils se sont montrés assez, assez, assez euh, sévères avec, euh, avec les Grecs, et ça, ça a amené 20 ans plus tard l'éclatement d'une guerre directe entre la Ligue Achaïenne et les Romains, et la Ligue Achaïenne a été complètement dissoute, et, et la Grèce est devenue une province romaine. Donc, vraisemblablement, je pense qu'une fois débarrassée du danger russe, euh, qui a le même rôle de contrepoids que, que la Macédoine pour les, les Grecs, une fois débarrassée du danger russe, l'Europe aurait le sentiment qu'elle n'a même plus besoin de la. De la de la protection américaine, qu'elle n'a même plus besoin de l'OTAN, qu'au contraire, elle peut gérer la Russie, et donc elle peut être une puissance indépendante. Et à ce moment-là, ça ne plaira, plaira pas aux États-Unis, donc je pense que pour avoir une, une confrontation directe avec, avec les États-Unis et une dissolution d'une manière ou d'une autre, ou simplement les États-Unis qui, à ce moment-là, joueraient sur des dissensions internes, ben je ne sais pas, par exemple, pour voir l'Union européenne éclater en plusieurs ensembles, un autour de l'Allemagne en Europe centrale, un autour de l'espace latin, autour de la France, pour jouer sur les divisions et pour, pour tenir cette région-là. C'est une autre, une autre possibilité. Voilà, mais en tout cas, après la guerre. Donc. Dans la Révolution, allons-nous perdre les territoires d'outre-mer ah, C'est très possible. De toute façon, je pense que la guerre fera qu'il y aura des, des choses qui vont changer de demain. Euh, si la Nouvelle-Calédonie est prise par la Chine, euh, je ne suis pas sûr qu'on refera un référendum après la guerre pour savoir si finalement la Calédonie est toujours française. Je pense que ça sera à qui Que ça sera à quelqu'un d'autre euh... Après, est-ce qu'on perdra euh, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion euh, Là, j'ai un petit peu plus de doute. Parce que, parce que le rapport n'est pas le même. Euh, et puis je ne suis pas sûr que quelqu'un veuille nous les prendre. Euh, voilà. Par contre, euh, là où les choses seront disputées par la Chine, euh, oui, parce que ça passe, ça changera de main et après on le perdra. Ce sera un petit peu comme Singapour hein, pour les Britanniques face aux Japonais. Quoi. Ils les ont perdus, ils ne les ont jamais récupérés. Pensez-vous que les guerres et troubles. Euh, mettront un frein à la propagation des idéologies progressistes et woke. Euh, ben je pense oui, mais alors c'est même pas tellement égaré, enfin les égarés et troubles déjà, ça, ça, va, ça va faire, ça va y faire du mal. Euh, mais surtout ce qui, ce qui mettra un frein c'est définitivement le fait que euh, avec le passage du temps de toute façon et même s'il n'y avait pas la guerre ça serait le cas les idéologies euh, woke etc seront complètement bouffées à, à gauche par l'islamo-indigénisme euh par et euh, alors, le côté racialiste euh, du côté woke, euh, ça restera. Hein, euh, privilège blanc, etc., ça, ça restera. Par contre, tout ce qui est transgenre, etc., ça, je pense, ça va complètement disparaître. Ça sera bouffé par les, par les islamo-indigénistes comme l'anarchisme a été bouffé par le stalinisme. Alors, euh, Adrien Vergniaud, qui vient souvent à mes spectacles, euh, <laughs> pose la question Quelle langue étrangère faut-il apprendre et pourquoi le turc <laughs> pourquoi le turc euh, Pourquoi ou pourquoi pas le turc euh, Si, ça, peut, ça pourra servir, je pense. Euh, je pense que le, comme Mais, le turc que sera. Que tu penses qu'il y a mieux que le turc à apprendre euh, Mieux que le turc à apprendre Alors déjà. <laughs> Honnêtement, je pense qu'apprendre le russe, ça peut être intéressant pour après, parce que euh, autant la Russie sera rabaissée au plan. Non, mais c'est vrai. Non, mais Pourquoi Parce qu'autant, je pense, la Russie sera rabaissée au plan géostratégique après la guerre, euh, autant euh, il faut se souvenir que euh, les, les, les pays comme ça, qui généralement perdent, après ont un dynamisme économique extraordinaire dans les décennies qui suivent. Euh, le, 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 parce que ça, ça le, les élites deviennent le, les, les pays se passent aux mains des, des, des élites qui sont des, essentiellement celles des milieux d'affaires et donc il y a un gros dynamisme économique, pensez à celui de la Réf République fédérale d'Allemagne euh, pendant l'après-guerre dans, dans euh, donc je pense qu'il y aura plein d'opportunités économiques dans toute cette région euh, de l'Europe qui n'est pas arrivé au bout de sa croissance et, euh, et donc en particulier en, euh, en Russie qui sera un grand pays dans lequel il sera possible d'aller faire des affaires encore plus facilement qu'aujourd'hui et donc euh, à mon avis ça sera intéressant. Je, je rigolais hors antenne parce que je j'imaginais euh, tes travaux du coup traduits en russe et en fait après la guerre tu devenais une sorte de messie là-bas. <laughs> il avait tout vu. <laughs> Euh, est-ce qu'après ces événements la France prendra un tournant libéral ou socialiste alors normalement quand on sort d'une révolution nationale ce que je disais il y a, il y a toujours un, un dynamisme économique qui est important alors après savoir si on prend un tournant libéral ou socialiste c'est pas forcément la bonne question euh, parce que si on se demande est-ce que De Gaulle était libéral ou socialiste euh, C'était autre chose. De Gaulle, il a mis en place euh, des systèmes, notamment un système de la participation, qui était un moyen d'intégrer de, 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 euh, au jeu capitaliste les, les, les salariés. Euh, et euh, c'était. P pas forcément libéral comme système, mais ça pouvait être ce qu'il y avait de manière la plus libérale possible de d'intégrer ce qui était des préoccupations qui étaient plutôt celles des socialistes euh, et c'était pas un remède socialiste en tout cas ça puisque c'était c'était une façon de de de, de 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 renégocier le contrat social dans ce sens-là. L'important c'est que Malgré tout. Euh, donc, et puis en plus, chez De Gaulle, il y avait la volonté, il y avait la planification, etc. Euh, mais le, le dynamisme a été, euh, a été là quand même. Donc de toute façon, je, je, je pense que le, la façon dont ce se sera habillé n'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait de la prospérité économique. Et je pense que pour le coup, euh, il y en aura. On devra avoir un rebond dans ce sens-là. Que deviendront les Pays-Bas une question sponsorisée par le ministère des affaires étrangères euh, du Pays-Bas ils en ont <laughs> marre qu'on parle pas de leur pays euh... voilà, ils viennent de m'envoyer euh, un petit oh ben, je pense que le Pays-Bas ils continueront de se démerder euh, pas trop mal dans leur coin comme ils font depuis euh, dans leur coin ou en association avec leurs voisins comme ils font depuis, euh, depuis 500 ans ça se... ils mènent leur barque les Pays-Bas euh... mm -hmm. pas quoi dire d'autre hein. à mon avis ils resteront tels qu'ils sont il n'y a pas de raison que ça change euh, ah oui, je voulais dire aussi tout à l'heure, euh, pensez au pouce bleu, parce qu'en fait on n'a pas fait beaucoup d'appels au, au, au pouce vers le haut. Ah c'est vrai, oui. C'est important. Pouce bleu, et pensez, pensez à, à partager euh, cette émission auprès euh, euh, de, de vos amis ou même de vos ennemis. Si vous n'aimez pas l'émission qu'elle vous saoule, envoyez-la à vos ennemis, histoire que, histoire que je les saoule eux aussi. Voilà. Et à vous abonner aussi, si vous n'êtes pas abonné. Tout à fait avec la petite cloche et tout mais bon comme c'est des lives en général vous êtes là n'y a-t-il pas un risque que des armes de nouvelle génération provoquent des bouleversements démographiques invalidant les projections historionomiques je pense pas parce que ça se serait déjà vu euh, et puis vous savez les bouleversements démographiques euh, euh, le, le gros exemple de bouleversement démographique que j'ai inattendu non maîtrisé. L'invention lieu... de la K-pop. Non, non. C'est également un grand drame, peut-être supérieur à celui dont je parle, mais non. Euh, si vous prenez la peste noire, euh, entre un tiers et la moitié de la population décimée, c'était quand même pas mal en Europe, et ça n'a absolument rien changé. Euh, si vous regardez par rapport à la trajectoire euh, d'une civilisation A comme euh, de la trajectoire européenne par rapport à la trajectoire grecque, ça n'a rien changé euh, donc je vois pas que des armes qui feraient beaucoup de morts euh, pourraient, euh, pourraient changer quelque chose je pense en plus que les armes qui seront développées ne seront pas des armes qui feront beaucoup de morts euh, je pense que ce sont des armes euh, qui seront euh, très efficaces. Moi, je pense que ce qui va, c'est des choses qui sont d'ailleurs déjà en développement. Ce qui va, ce à quoi va profiter la guerre essentiellement, c'est euh, développement euh, encore plus des super armes, des cyber armes et des armes à énergie dirigée, notamment les armes laser qui sont en train de bien se développer, euh, les canons électriques, tous ces trucs là. Euh, C'est-à-dire, notamment des choses qui permettent de contrer éventuellement les, les armes nucléaires et les rendre euh, obsolètes. Je pense que c'est plutôt ça. Et qui sont pas forcément des trucs qui font beaucoup de, de, de morts, mais qui permettent de, de frapper directement euh, les objectifs qu'on veut au cœur et sans euh, difficulté. Voilà. Euh, large question. De nos jours, euh... j'ai du mal à comprendre le début, mais en gros, je vais couper. Certains voudraient un axe Paris-Berlin-Moscou. Et si tout se jouait en Méditerranée avec une coalition gréco-latine, France, Espagne, Italie, Grèce, d'ici 2050 euh... ben C'est possible. Disons que moi, je pense que de toute façon, c'est l'espace naturel de, de, de la France depuis un moment. D'ailleurs, euh, on, on le ressent toujours comme ça. Hein. Euh, la, la France a toujours tendance à considérer que c'est un petit peu son espace, euh, que la Méditerranée... Euh, c'est notre mer, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve on risque de s'y retrouver encore plus en conflit avec la Turquie. Je pense que les futurs conflits de haute intensité qu'on imagine, c'est surtout contre les Turcs. C'est pour ça que, contrairement à l'Allemagne ou contrairement à qui que ce soit d'ailleurs en Europe, on s'est précipité au soutien de la Grèce euh, contre, euh, contre la, la, la Turquie euh, l'année dernière. Et, euh, et donc je pense qu'il y a quelque chose à développer effectivement par là, l'axe Paris-Rome euh, euh, Paris-Berlin euh, euh, c'était quoi Paris-Berlin-Moscou euh, l'axe Paris-Berlin-Moscou euh, c'est totalement illusoire euh, parce que euh, il n'y en a jamais eu en fait d'axe Paris-Berlin-Moscou dans l'histoire chaque fois qu'il y a eu c'était soit Paris-Moscou contre Berlin soit Berlin-Moscou contre Paris euh, soit euh, un peu Paris-Berlin contre Moscou mais en fait il y a, on n'a jamais réussi à entendre les et je pense que c'est pas possible euh, et que la France en plus n'est pas forcément le plus gros dans cette triade là et, euh, et qu'on aurait tendance à être le danon de la farce euh, alors que alors que pour le euh, pour la, la Méditerranée on est vraiment en position en position centrale et il euh, y a vraiment une tradition géostratégique euh, là-dessus et euh, et puis en plus on a une proximité il faut le dire on a en France une proximité euh, intellectuel et, euh, et ethnique avec euh, avec le l'Espagne le, et la et la, et l'Italie qui est euh, qui est importante hein. euh, on est à la fois des latins on est des euh, des Celtes on est euh, euh, plutôt l'Italie du Nord mais enfin c'est c'est une si vous voulez cette euh, euh, il y a une, une vieille communauté euh, ethno-géographique dans cet espace-là. On a la même tradition romaine. Euh, je veux dire sous l'Empire romain, on était vraiment dedans. Alors que l'espace lao-germanique, c'est un, un petit peu extérieur à, à nous. Donc il y a, il y a une logique euh, historique longue à cette, à cette alliance-là. Donc en fait, il y a un axe Paris-Berlin-Moscou, mais pour aller, pour aller se casser la gueule entre, entre nous. Quoi. Mmh. Voilà. – Non, puis à mon avis, il n'y aura jamais d'axe Paris-Berlin-Moscou. En fait, c'est un rêve de faire un axe Paris-Berlin-Moscou. Euh, il peut y avoir une, 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 une Europe unifiée un jour, hein, ce que j'ai déjà dit dans cette hypothèse byzantine qui intégrerait la, la partie occidentale de la Russie. Euh, mais, euh, mais un axe Paris-Berlin-Moscou de puissance euh, indépendante, mais alliée, qui serait une, 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 une superpuissance ensemble, euh, ça, j'y crois pas, ça me paraît, ça me paraît invraisemblable. Donc tu penses que le projet de la SNCF de faire une ligne directe, euh, ça n'ira pas au bout oh, Ça peut toujours être utile pour aller faire des vacances et visiter, mais... Euh... Ok. Euh... Mince, c'est pourquoi j'ai perdu le fil des questions. Euh... Il y avait une question Ah oui, une question qui revient souvent, euh, donc réponds y très vite. <laughs> euh, mais c'est intéressant donc on lui répond quand même, mais c'était euh, en gros est-ce que la France peut anne annexera la Belgique ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui peut annexer? Pourrait-on annexer la Belgique ou autre? Mais je crois que tu y réponds souvent. D'ailleurs, c'est Man qui pose la question là. Qu euh, est-ce qu'on pourrait. Euh, oui, d'ailleurs, on peut. Hein, si on décide d'indexer la Belgique, on peut le faire. Vite. La question, c'est est-ce qu'on peut la garder ensuite Et la question est quel est l'intérêt euh, Non, par contre, l'intégrer. Si on, si on fait une, une, l'alliance que je disais, y intégrer euh, la Belgique, euh, ça, peut, euh, ça peut faire partie de la logique, oui. Euh, traditionnellement, là aussi, il euh, y, euh, y a une tradition de la Belgique dans l'ère d'influence euh, de la France, et puis encore une fois, hein, c'est toujours la Gaule, la Belgique, donc ça, ça peut. Alors, après, annexer, euh, je veux dire, annexer, ça n'a pas forcément d'intérêt euh, la plupart du temps. Alors, ah oh oui, non, en fait, je m'étais pas remuté. Euh... Pétu la France demande la tyrannie sanitaire que nous vivons a-t-elle eu un équivalent dans le passé En fait, il faut se poser la question si c'est une tyrannie vraiment sanitaire. Toujours ça la question qu'il faut se poser. Euh, moi, je suis encore, euh, j'ai du mal. Alors moi, je suis tout ça, je suis un. un... Je suis un historien, alors j'ai tendance à essayer de à comprendre les trucs a posteriori, toujours pareil. Euh, après, j'essaie d'interpréter ce qu'on voit à la lumière de ça. Euh, une, tyra, une tyrannie sanitaire, euh, non, moi, je n'en vois pas. Il n'y a, a aucun exemple qui me saute aux yeux. Euh, en, revanche, en revanche, je vois... Euh, en, en, alors, ce qui est difficile, si vous voulez, ce qui est difficile c'est que si, si on parlait que de la France et que la France était une exception dans les, dans les mesures sanitaires, je, je trouverais un parallèle. Ce parallèle, ce serait quelque chose comme euh, ce qu'on appelle la dictature des Dioscurs en Allemagne, c'est-à-dire Hindenburg et Ludendorff, qui étaient devenus les maîtres du pays et, euh, et qui dirigeaient, qui étaient en fait les dictateurs de fête de l'Allemagne euh, à la fin de la Première Guerre mondiale. Euh... Parce que l'idée, c'était de, de mener un combat jusqu'au bout et on subordonnait tout à ça, et, euh, et le, 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 le centre de pouvoir avait, avait, un, avait un peu dérivé. Donc, euh, Et puis en plus, comme je le dis, on est un pays qui a un, un régime constitutionnellement qui est proche de ce qu'était l'Empire allemand. Comme il est sur la fin, eh bien, ça, ça a quelque chose d'équivalent puisque les Dioscures, l'effondrement de leur régime, a été le début de la Révolution nationale en Allemagne. Donc tu aurais un parallèle éventuellement à faire là-dessus. Euh, mais c'était pas sanitaire, c'était l'aspect, euh, bon, mais en même temps, on a un président qui nous explique, et je crois pas que ça a été dit dans les autres pays euh, dans ces termes-là, nous sommes en guerre depuis deux ans. Donc il y a quand même quelque chose. Quelque chose comme ça, visible. Euh, après, les mesures sanitaires elles-mêmes, on en trouve des exemples chez tous nos voisins. Donc, parler de dictature sanitaire en France comme chez les voisins, et en parlant de choses qui existent chez les voisins, alors qu'eux, ils ne sont pas dans la position institutionnelle au plan des, des institutions démocratiques dans laquelle nous sommes nous, ça me paraît difficile de généraliser. Euh, donc, après, pour le reste, on est face à des mesures. Euh, des mesures sanitaires qu'on retrouve effectivement un petit peu, un petit peu partout. Et là-dessus, là-dessus, je n'ai pas, pas de, de, de parallèle. Non. Encore que, encore que, si on, si on va si vous allez regarder euh, l'historique, c'était comment il s'appelait, comment il s'appelle, ben, um, qui avait fait qui a fait un bouquin là-dessus et qui avait fait quelques vidéos très intéressantes où il était interrogé, qui disait que en fait tout ce qu'on a fait et même les ports de masques et même le, le fait que les gens ne soient pas contents qu'on leur impose des limites de déplacement, etc. Tout ça, on l'a déjà vu au moment de la grippe espagnole, d'ailleurs, qui est également au moment des dioscures, hein. donc tout ça se, se recoupe. Euh, et donc, euh, tout le monde a été touché par la grippe espagnole et l'Allemagne aussi. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, pas impossible, effectivement, que le parallèle soit à fond là-dessus. C'est-à-dire que nous, on soit plus spécifiquement dans la situation qui était celle de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, mais face à un fléau qui touchait la totalité des pays, mais qui était traité de manière encore différente en Allemagne, parce que l'Allemagne avait un certain nombre de problèmes qui étaient spécifiques à elle-même. Mais après pour les problèmes spécifiquement sanitaires qui s'appliquaient partout, ben en fait on a, on a vu les mêmes problématiques à chaque, chaque pandémie, Ça, en fait on s'aperçoit quand on, on, on regarde l'histoire des pandémies que c'est toujours un peu la même chose qu'il y a toujours des débats des controverses, souvent très excités sur quelles sont les mesures à prendre quels sont les remèdes à prendre, les gens qui s'accusent de vouloir s'empoisonner mutuellement euh... voilà alors, Donc. Euh... oui, il y avait une question en faisant, référence Asimov, euh, un faisant référence à Asimov. Un pays oui, pourrait-il euh... être l'équivalent de Terminus Faisant référence à Asimov, un pays pourrait être l'équivalent de Terminus. Alors, moi, je suis. Alors, bah, pff, tout dépend de la question qu'on se pose. Euh, si on s'implique dans la pensée Asimov, en fait, au fond, Terminus, c'est quoi pour lui euh... Asimov pour construire son idée d'empire et de, qui est régénéré par une, une colonie lointaine, mais qui est censée reprendre l'héritage depuis le début. Euh, en fait, il y a, il a deux influences dans la pensée Asimov. Il y a un l'histoire de l'empire qui s'effondre, c'est euh, l'empire romain. Hein, il avait, c'était un grand lecteur du déclin et, et de la chute de l'empire romain de, de Gibbon euh, mais aussi en fait dans l'idée de la fondation, il y a un parallèle en fait entre l'effondrement de l'Empire britannique et l'émergence de l'Empire américain puisqu'au moment où, où il a écrit, euh, il a commencé à écrire, c'était entre les, la première et la deuxième guerre mondiale et donc il voyait bien que les États-Unis étaient en train de prendre le relais de la puissance de l'Empire britannique qui s'effondrait. Or, qu'est-ce que c'était que les États-Unis à la base C'était une toute petite colonie euh, qui avait été installée en Amérique qui s'était développée jusqu'à devenir le relais de la puissance mère, donc en fait c'était ça qu'il y avait dans l'idée dans l'idée d'Asimov. En fait, Terminus c'est les États-Unis, c'est ça, c'est la, la, la fondation, c'est les États-Unis qui prennent le relais du grand empire qui était l'empire britannique qui a qui a décliné et que mais bon il fait donc il fait une, une, une synthèse entre l'empire britannique et, et ce qu'il connaît de l'empire romain. Un peu comme toujours quand on est un auteur on fait on souvent on mélange plusieurs histoires pour créer un scénario qui paraît qui paraît riche, mais euh, mais dans son idée c'est ça. Euh, est-ce qu'il y a un pays qui pourrait être en terminus Non, je ne vois pas, ça ne s'inscrit pas dans, la, dans les cycles. Par contre, est-ce qu'artificiellement, euh, on pourrait éventuellement créer un truc comme ça Ce c'est pas absurde. Si tout d'un coup, on avait, je sais pas, les moyens d'aller faire une colonie, euh, une colonie maintenant sur Mars, qu'on arriverait à, 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 à bricoler comme ça, euh, je ne sais pas. Peut-être que c'est ce que cherche à faire Elon Musk, je ne sais pas. Alors... Euh, on, va, on arrive sur la fin. Ouais. Euh, je voulais poser une dernière question. Oui, euh, J-Cloud ou J-Cloud. Euh, pour. Euh, voilà. <laughs> euh, il, en fait, il a beaucoup reposé une question euh, qu'il avait posée à l'émission d'avant, qui n'avait pas été posée. Donc, bon, comme il se montre euh, très motivé, je la pose. Euh, puisque l'on se dirige vers un système économique plus atomisé, donc ça fait référence à l'émission d'avant, euh, quelles évolutions juridiques iront avec Attrape ça, attrape ça, attrape ça <laughs> connard. Ben, euh, alors, des évolutions juridiques euh, sur, sur les fondamentaux, pas grand-chose, parce que tout ce qui est droit des contrats, etc., ce sont des choses qui, en fait, sont restées extrêmement stables euh, depuis, euh, depuis, la, euh, depuis la mise en place du Code civil, par exemple. Donc, ça, il n'y a pas de raison que ça change. Euh, ce qui changera, euh, évidemment, c'est tout ce qui est les systèmes euh, législatifs euh, relatifs à l'organisation économique. Euh, je pense notamment à tout ce qui est les organismes de protection sociale, euh, tout ce qui est ben, l'URSSAF, euh, les trucs comme ça, euh, qui étaient adaptés au système salarial, encore une fois qui faisait partie de la superstructure, hein, j'en avais parlé la dernière fois, euh, tout ça, vraisemblablement, c'est des choses qui, euh, qui seraient amenées à, à, à changer. Après, sur les fondamentaux du droit, je ne vois pas trop quelles pourraient être les, 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 les évolutions, mais c'est vrai que c'est une question technique et qu'il faudrait, euh, qui, qui, qui nécessiterait de, 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 un travail préalable que je n'ai pas fourni pour répondre à cette question. D'accord. Euh, bon, mais voilà, n'oubliez hein, euh, pas de rien, de rien Jay. Euh, n'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas, si vous voulez un peu de lecture, euh, les livres qui s'affichent à l'écran. Philippe, je te laisse... Euh... Et n'oubliez pas de partager hein, toujours, puisque votre communauté grandit. On a toujours des nouvelles questions. C'est ça nous évite de faire des redites d'une émission à l'autre. Donc c'est c'est agréable. Euh, voilà, je, je vais continuer à essayer de de d'aborder de, des sujets. Euh des sujets plus, euh, toujours plus, euh, plus variés, pour ne pas tourner en rond même si je pense que l'actualité va encore nous pousser vers, vers euh, certains événements, on m'a demandé si j'allais faire une émission sur la Chine, je pense que j'en ferai une, on m'a demandé si j'allais faire une émission, euh, enfin on m'a demandé donc, parce que je crois que c'est moi qui en ai parlé tout seul, euh, sur, euh, sur l'avenir de la Turquie et cet empire pan-turc, est-ce que j'en aurais, je vais en faire une autre aussi, je me tâte encore pour savoir ce quel sera le sujet de la prochaine émission, donc euh, vraisemblablement qui sera lundi soir. Donc j'attends de j'attends de voir. Vous pouvez euh, vous pouvez mettre des commentaires et demander des sujets. N'hésitez pas, si je les choisis pas tout de suite, ça peut me pousser à réfléchir. Et après, dans deux semaines, je me dirai, tiens, c'est vrai qu'on m'a posé cette question. Là, j'aurai ça, ça ça, à dire dessus, donc on va faire le thème. Donc ce n'est jamais perdu, puisque les commentaires, je les lis tous. Euh, et quand il y a une question particulière, en général, j'essaie de répondre, mais les questions, je préfère les garder pour les émissions. Je trouve ça plus sympa. Euh, comme ça tout le monde en, en profite parce que je sais que tout le monde ne lit pas les commentaires donc voilà mais donc, de manière générale commentaires partagés et je vous dis euh, passez un excellent noël et euh, à lundi à lundi